C'est déjà la fin du mois de septembre, vu qu'on est au tout dernier classement de ce mois, et j'ai froid sa mère. Hey, hey, hey! Bienvenue dans le K-Chart, c'est le classement habituel, hebdomadaire. Si tu sais pas comment ça fonctionne, ni comment ça marche, etc., blablabla, c'est le classement dans lequel tu peux voter chaque semaine pour tes artistes préférés, et si tu veux toutes les infos, tu as tout en description de cette vidéo, tout simplement, parce que j'ai tout noté. Pour les autres, bah, vous savez déjà comment ça fonctionne, c'est la dernière semaine de septembre, et voici les nouveautés, les changements de ce petit classement. We were just two kids, too young and dumb. 어리고 멍청한 서툴렀던 마음. 꽉 안아줘요 날 이토록 그날의 너와 나. Helicopter, never give up.
Si t'aimes la chaîne, si tu veux la soutenir, sache que tu peux le faire via Utip en description de cette vidéo, tu as le lien. J'ai trop froid! Félicitations à Everglow qui est premier cette semaine, première plutôt vu que c'est un compte de filles, avec l'Adida. C'est aussi ma chanson préférée de la semaine parce que j'ai beaucoup aimé cette chanson et c'est aussi la meilleure progression de la semaine parce que elles sont arrivées de zéro à première tout simplement. En seconde position, on a Stray Kids avec Backdoor, une chanson que j'aime beaucoup aussi. Et en troisième position, on a Izzy et Not Shy. Comme nouveauté, on a One Ho, on a aussi Treasure, on a aussi le retour de One Us et de Taemin avec Two Kids. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu pas mal de petits changements cette semaine. J'ai plus l'impression que c'est les gens de la semaine dernière qui avaient peut-être pas voté, qui ont décidé de voter cette semaine parce que, je sais pas, ils avaient oublié, ils ont zappé. Et là, du coup, ils se sont dit « Ah, mais merde !» Et voilà. Bon, comme chaque semaine, il y a des titres qui arrivent à leur 8ème semaine de compétition, c'est-à-dire qu'elles vont quitter la liste de vote, tandis que d'autres vont arriver tout simplement afin de renouveler un peu le classement. Donc c'est parti pour les chansons qui partent du classement et des chansons qui rejoignent le classement. Comme d'habitude, tu peux d'ores et déjà voter avec le lien qui est en description de cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de me suggérer des titres si tu penses que certains manquent à l'appel. Bien sûr, ça doit être des titres qui ont des MV et qui sont aussi vieux d'un mois grand max. Parce que sinon, on va rajouter 21 d'il y a 4 ans quoi. Et je vous remercie comme d'habitude de suivre le K-Chart, d'y participer, d'y voter, de partager le classement tout simplement. Ça me fait super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui votent petit à petit. Donc, comme quoi. Et comme d'habitude, tu peux me sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu as YouTube, Twitter, Instagram, mais aussi Facebook. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bienvenue sur la chaîne. Et à la semaine prochaine pour d'autres pour un autre classement du mois d'octobre, semaine 1. Voilà. Bye 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 bye. Adieu.